Bonjour Monsieur Bécu, vous êtes directeur général en charge de la stratégie et du développement de Smile. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité ? Oui, bien sûr. Donc Smile, c'est une société de services spécialisée dans l'open source. Donc on est à ce jour 1700 personnes présents sur 7 pays et une quinzaine d'agences. Donc on fait principalement des projets pour nos clients, des grands comptes français et européens. On travaille beaucoup sur le digital, ça représente à peu près 70% de notre activité, mais on travaille aussi sur pas mal de projets autour du système d'information, des grands projets d'infrastructure et puis plus récemment ces dernières années des grands projets autour de l'embedded et de l'IoT. Smile est co-organisateur de cet événement, donc on y passe pas mal de temps chaque année au comité de pilotage pour organiser et pour structurer cet événement, et on est également sponsor bien sûr, parce que c'est l'élément important aussi de pouvoir financer un événement comme ça. Voilà, nous on est fervents supporters de l'open source, on y travaille depuis des années, on est très connus pour nos livres blancs. Cette année on aura dépassé le million de téléchargements, donc c'est quand même pas neutre. Et continuer à promouvoir notre filière, nos entreprises, notre écosystème, c'est un sujet important. Et cet événement-là, qui est le plus gros en France et en Europe autour de l'open source, il faut continuer d'y mettre des moyens, de le structurer, de le porter, de le faire grandir année après année. Et c'est pour ça que Smile est présent aujourd'hui. Aux côtés de l'événement, aux côtés de ceux qui le font avancer chaque jour, parce que encore une fois, c'est important que notre filière, nos entreprises en tout cas, continuent de défendre notre modèle qui est celui de l'open source. J'ai cru comprendre que Smile existait depuis une douzaine d'années. Ah, plus que ça. Ah, plus que ça, je dis des bêtises. En 1991, donc on n'est pas encore une vieille dame, en tout cas. Dans l'open source, vous êtes voilà, quand l'open même. Voilà, dans l'open source. Alors, Smile n'est pas né complètement dans l'open source, en fait. En 1991, on travaillait plutôt sur des sujets autour des applications RAD, et puis on arrivait autour de 2000-2001 dans l'open source. Mais voilà, on va bientôt avoir 20 ans de spécialisation dans l'open source, et sûrement une des premières sociétés de services en France et en Europe spécialisée dans l'open source en termes d'années d'existence. Alors, comment voyez-vous le marché actuellement, puisque vous avez une certaine vision de long terme ? Oui, le marché, il est incroyable, il est en plein boom. C'est-à-dire que si vous regardez d'un point de vue business, tous les grands groupes, tous les grands donneurs d'ordre, en fait, souhaitent des projets open source. Je pense que les projets open source, historiquement, étaient déjà des projets de grande qualité. On a, je pense, dépassé les alternatives propriétaires depuis longtemps. Et là, maintenant, on est dans un changement de paradigme depuis quelques années où, en fait, non seulement on a dépassé l'offre propriétaire, mais en fait, si vous regardez des sujets d'innovation, le machine learning, le big data, même les sujets de cloud, quasiment tous les projets sont open source. Donc là, on est dans une approche où toutes les entreprises qui souhaitent innover, qui souhaitent être agiles, se libérer des contraintes des licences propriétaires, font appel à l'open source. Et donc, de ce point de vue-là, notre marché est en grande croissance. Smile, d'ailleurs, cette année, va encore faire 40% de croissance, 20% en organique et 20% en M&A, en acquisition. Donc, on est sur des niveaux de croissance qui sont incroyables. Reste à continuer à former et à attirer les jeunes aussi et les moins jeunes dans notre filière. Et ça, c'est un enjeu très, très important pour nous, au Syntec, au CNLL, tous ceux qui fédèrent et qui structurent la filière, de faire en sorte qu'effectivement, on attire ces talents-là vers notre modèle, qui est un modèle, je pense, qui est très attractif, sur lequel on fait des projets passionnants. Mais il faut continuer parce qu'on a des croissances qui sont très, très fortes. Le CNLL évalue la croissance de l'open source à plus de 10%. 10%, c'est énorme à l'échelle d'un marché qui fait quelques milliards. Il faut pouvoir trouver ces talents qui ne connaissent pas forcément toujours l'open source. Donc, il faut les acculturer, il faut les former. On passe énormément d'énergie à les former. Ça, c'est un enjeu incroyable, mais le marché est formidable pour nous. Alors, moi, j'avais deux questions. L'une par rapport à votre société, voire un peu... vous m'avez parlé d'un rachat, si j'ai souvenir. Et donc, est-ce que vous allez continuer votre politique d'acquisition ? Et deuxièmement, par rapport à la formation, j'y reviendrai. Est-ce que vous allez continuer les politiques d'acquisition ? Oui, tout à fait, parce que il y a quelques années, la ministre de l'IT, Axelle Lemaire, était venue au Paris Open Source Summit et elle nous avait demandé de structurer la filière, ce qu'on a fait avec le CNLL et le comité open source du Syntec. Elle nous avait demandé aussi de quelque part travailler à un rapprochement d'un certain nombre d'acteurs, parce qu'il nous fallait créer des acteurs d'envergure. C'est pour ça qu'il y a encore quelques années, Smile, on était 500
600, aujourd'hui on est 1700, parce que les grands projets aujourd'hui des grands donneurs d'ordre, on cite souvent la Société Générale, mais beaucoup d'autres acteurs du CAC 40 et en Europe aussi, le SBF 120, etc., demandent beaucoup de compétences en open source, des grands projets d'urbanisation, digitaux, d'infrastructures, qui nécessitent des projets des sociétés de grande taille. Et donc c'est ce qu'on fait, effectivement. En début d'année, on a acheté la société Virtua en Suisse. SMAI est beaucoup présent et on se développe beaucoup en Europe. Et là, très récemment, il y a quelques mois, on a acheté la société Ajax, qui était leader sur le CMS open source Drupal. Et voilà, ça fait partie des talents, des compétences qui continuent de nourrir le projet de SMAI et qui vont nous permettre de faire grandir notre projet collectif et de servir nos grands clients. Nous, ce qu'on veut être, c'est à l'échelle de 3 ans, un acteur d'envergure de plus de 200 millions de chiffre d'affaires. Je pense qu'on va terminer cette année avec 112 millions de chiffre d'affaires. L'année dernière, on était à 84. Et de faire un acteur d'envergure, c'est-à-dire un champion européen du digital avec, comme sous-jacent, l'open source. D'accord. Et alors, par rapport à la formation, quelles sont les problématiques? Pourquoi vous ne trouvez pas de... j'entends dire depuis le début qu'il n'y a pas assez de personnes qui travaillent dans l'open source. Pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas de personnes qualifiées? Déjà, on a un problème par rapport à la filière scientifique. C'est-à-dire qu'on a, au niveau du lycée, beaucoup de gens qui s'orientent vers cette filière scientifique. Mais on a, à la fin, finalement, assez peu de gens qui vont vers l'informatique. Informatique, on va parler du digital, c'est un peu plus sexy, mais c'est vrai qu'on a encore trop peu de gens qui s'orientent vers le marché de l'informatique, et donc il faut les attirer, notamment les femmes, c'est un sujet important. On a signé cette année SMAI avec beaucoup d'autres entreprises, on a signé la participation et la création d'une fondation en faveur des femmes dans le numérique. Il faut continuer de soutenir ça parce que c'est un vivier aussi de talents qui nous manque à nos entreprises, et donc ça, il faut les faire venir. Mais au-delà de ça, on a des gens qui sortent des écoles. Les écoles ne forment pas assez à la particularité de l'open source. Et puis, ces jeunes-là, à la limite, qui n'ont pas la compétence, nos entreprises doivent les former. Chez SMAI, on y passe une énergie folle. Et c'est enthousiasmant, mais c'est vrai que chez SMAI, on y passe bien 1 à 2 millions d'euros de budget chaque année en formation. Vous allez chez SMAI, en permanence, nos salles de formation, elles sont pleines parce qu'on doit former à l'open source. Et ça, c'est un enjeu important. Et à ce titre, d'ailleurs, là, dans quelques heures, on va communiquer sur la publication d'un MOOC en open source, une série de, je crois, 28 chapitres, épisodes dédiés à l'open source, où on explique effectivement en quoi l'open source est particulier, en quoi on peut apporter beaucoup de choses avec l'open source, la notion de licence, de viralité, etc. Et ça, c'est un enjeu important. Continuer à former pour nourrir effectivement les grands projets qui arrivent dans l'open source. Et ce MOOC sera visible où ? Il sera disponible directement sur le site de l'Open Source School. Open Source School, ce qui est une école open source qu'on a formée, qu'on a créée avec l'aide de l'État, avec le projet d'investissement d'avenir. Et donc, si vous allez sur www.opensourceschool.fr, vous allez pouvoir retrouver à la fois des supports de cours, mais aussi effectivement ces vidéos, ces MOOC dédiés à l'open source. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation même initiale, enfin voire pré-initiale, je veux dire à partir du... on ne cote pas au collège, on ne cote pas au lycée. Enfin, déjà, quand ils sont plus jeunes, ils connaissent, mais vaguement. Tout à fait. Alors l'État y répond, puisque désormais dans l'évolution des cursus, l'informatique de plus en plus va prendre une place. Et donc ça, c'est, je pense, ça va être une bonne sensibilisation pour expliquer aussi que notre métier, c'est un métier important. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui et dans les années à venir, ceux qui ont le pouvoir, c'est les programmateurs, les développeurs. Et donc, c'est un métier hyper intéressant, très excitant au quotidien. C'est vraiment incroyable. Quand vous êtes développeur et que vous codez toute la journée, vous vous rendez compte que vous arrivez à construire quelque chose. Vous êtes actif, vous êtes un acteur de la société. Et donc, je pense qu'il faut sensibiliser, continuer à sensibiliser. Et puis après, à l'échelle d'au-dessus, post-bac, il faut que les écoles s'intéressent de plus en plus et forment à ça. C'est aussi pour ça que nous, on a créé l'Open Source School. L'Open Source School, c'était de la formation en executive education, c'est-à-dire pour les gens se former tout au long de la vie. Mais c'est aussi un programme de formation initiale en lien avec une école qui s'appelle l'EPSI pour former des jeunes en post-bac plus 2 à la particularité de notre modèle. Peu importe que ça soit l'Open Source School ou que ça soit d'autres écoles, en tout cas, tout le monde doit se mettre au niveau, tout le monde doit investir dans l'Open Source parce que
le marché est là, les grands donneurs d'ordre sont là, ils attendent des réponses à la pénurie, pénurie de l'informatique, mais pénurie aussi sur l'open source. Et donc, il faut se mobiliser. Mais en tout cas, c'est un sujet qui est passionnant parce qu'on travaille dans un secteur qui est vraiment très excitant. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment c'est particulier à la France, ce manque de main-d'œuvre, ou c'est partout en Europe, voire dans le monde ? Oui, je pense que, en tout cas... Vous qui avez des antennes à l'étranger. Oui, partout, en tout cas, on voit qu'il y a une tension qui s'affiche partout. Après, la France est très visible aussi. Vous avez un niveau de qualité dans les formations qui est vraiment très, très bon. Nous, on voit chez Smile, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de nos salariés qui partent à l'étranger ou bien qui restent en France, mais qui travaillent pour des acteurs américains. Donc, la tension, elle est partout. Par contre, effectivement, je pense qu'à niveau de salaire et de compétences, en France, on est très compétitif, malgré ce qu'on peut dire. Et donc, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs en Suisse, en Belgique, etc., aux Pays-Bas, qui sont très contents de travailler avec des Français. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Smile en 2019 ? Et bah de continuer à grandir. Je pense que notre projet, il est important. Il répond aussi à un besoin du marché. Donc, il faut continuer à viser ce niveau d'exigence, d'excellence, de croissance. La croissance, elle passera aussi par un haut niveau de qualité à nos projets. Encore une fois, quand vous avez des grandes entreprises qui misent sur l'open source, il faut être au rendez-vous. Et donc, il faut apporter de la qualité à nos projets. Il faut faire voir que l'open source s'est industrialisé. C'est pas comme ça pouvait l'être il y a quelques années. On avait cette image de l'open source dans le garage. C'est bien loin, c'est fini. Aujourd'hui, on fait des grands projets. Et bien, ces projets-là, ils doivent être de qualité. Et donc, il faut travailler à ça, croissance et qualité. Et on continuera à inscrire et à écrire une belle histoire de l'open source en France. Merci beaucoup, Monsieur Bécu. Merci.